va passer à genoux. On se met d'un côté du tapis, on se met à se mettre sur les genoux, les fesses sur les talons, et on va se mettre en posture de l'enfant. Mon corps va aller sur mes cuisses et je vais détendre mes bras vers l'arrière. Je vais tendre mes bras devant le plus loin possible. Ça va me permettre de m'étirer le dos. Je vais passer sur les mains et sur les pieds en posture du chien tête en bas. Donc les talons rentrés dans le sol, ma tête entre mes épaules sont relâchées et mes fesses vers le haut. Et je vais faire la vague pour arriver vers le sol, pour longer le sol, et je reste en position du bâton à quatre pattes. On pense bien à rentrer son ventre au maximum. On pose les genoux au sol. On revient sur les genoux. Et on revient en position de l'enfant. Toujours de grandes respirations. Je passe mes mains devant, j'étire mon dos. Je passe sur les mains et les pieds. Posture du chien tête en bas. On fait la vague. Et le bâton à quatre pieds. On pose les genoux au sol et on revient sur les genoux. On s'étire les bras, le dos et on revient en position de l'enfant. Mes mains devant, j'étire mon dos, mes bras, mes épaules, je passe sur les pieds, les mains, chien tête en bas, on fait la vague, bâton à quatre pieds. Genoux au sol, on revient sur les genoux, on s'étire, on revient en posture de l'enfant, encore une fois, on s'étire le dos, les épaules, pieds, mains, chien tête en bas. La vague. Les genoux au sol. On revient sur les genoux. On revient en position de l'enfant. Une dernière fois. Les bras devant. Chien tête en bas. La vague. Le bâton à quatre pattes. Pose les genoux et on s'étire.